Salut YouTube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Yo les guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On continue sur les vidéos des Staple Extra Deck. Le petit classeur rouge est juste ici à l'intérieur. S'il est rouge, c'est qu'il contient toutes mes cartes pièges. Ouais, je sais, ça devrait être rose pour les cartes pièges, mais vas-y, rouge, t'as compris, ça ressemble quand même pas mal. On s'appelle de classeur de Staple Magie et vert, lui, tout simplement. Bref, j'espère que cette petite série vous plaît. Je rappelle que c'est une vidéo qui fait partie du challenge de novembre. Donc, c'est-à-dire que dans cette vidéo, il y aura un code cadeau d'une valeur de 10€ caché quelque part. Le premier qui l'active sur Card Market, eh bien, gagne 10€. Ça me fait trop plaisir de pouvoir faire ça. Et je vois que ça vous plaît, donc franchement, c'est assez cool. Dans cette vidéo, j'essaye de vous montrer toutes les cartes pièges que je récupère avant qu'elle soit méta, avant qu'elle soit dans un nouveau deck ou utile ou j'en sais rien. J'essaie de mettre toutes de côté celles qui sont actuellement utiles parce que j'en ai besoin et celles qui seront peut-être un jour utiles. Mon objectif sur les cartes, c'est de se dire, t'as ce piège-là, il est fort. Franchement, c'est super intéressant, mais pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. Et un jour, pouf, par magie, eh bien, il y a un deck qui vient rendre cette carte-là méta. Et moi, je suis trop content parce que je l'ai mis de côté en avant. Je l'ai payé peut-être 2 centimes ou je l'ai récupéré dans une collection à l'échange, etc. Et ça me permet de ne pas avoir besoin de l'acheter. Et le jour où je veux construire un nouveau deck, bah, j'ai pas besoin de racheter les cartes. Je les ai déjà. C'est un peu l'objectif de ces classeurs-là. C'est aussi pour ça que je décide de vous les présenter. Parce que l'idée, c'est que vous ayez un maximum d'éléments, aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour les anciens joueurs, de vous dire, peut-être amener une réflexion en mode, ah, mais cette carte-là, la prochaine fois que je la vois, je la mettrai de côté. Assez blablaté pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Le pouce, l'abonnement si c'est le cas. Le petit commentaire pour me dire si j'ai oublié des cartes et c'est parti pour la deuxième caméra, la présentation de ce classeur de pièges. Et bien c'est parti pour le classeur de pièges, d'ailleurs c'est marqué juste ici. Première page, Titanosider, alors j'en ai une qui est défoncée, je l'avais swap, je sais pas comment on peut faire ça à une carte. Un jour j'en récupérais une en mauvais état, en meilleur état. C'est une carte que j'aime beaucoup, en gros elle a un effet que tu peux récupérer du cimetière. Broken Line qui est quand même assez fort également. Witchstrike, alors Witchstrike, il y a plein de gens qui détestent cette carte là et en fait qui ne savent pas comment la gérer. Si votre adversaire annule l'invocation d'un monstre normal ou spécial d'un ou plusieurs, si elle annule l'invocation normale ou spéciale d'un ou plusieurs monstres ou l'activation de cartes ou d'un effet, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire et dans sa main. C'est genre trop fort, vraiment. On a Warning Point qui clairement est une carte plutôt forte également. C'est un reprint ça, donc vous pouvez le trouver pour vraiment pas cher. Si un monstre invoqué normalement ce tour, les monstres face up, tous les effets des monstres face up sont annulés et tu peux pas être utilisé comme monstre fusion, synchro, exis ou lien. C'est vraiment pas dégueu en soi. Ensuite, alors on a les petites Imperm qui c'est un playset dont je suis assez fier parce que déjà je l'ai payé. Alors il y en a deux. C'est pas les ultras que je veux, c'est la secret derrière. C'est des Secret US, donc FLOD. Pour les puristes comme moi qui aiment trop le Holy Secret, c'est vraiment un graal parce que ça coûte vraiment assez cher. Les Solemn, qui sont pareils, sont en US. Les Warning, les Assauts Solennels, les Jugements. Les Anti-Spell Flagrance, parce que Fragrance est une bonne carte. Les Ice Prison, c'est pareil, c'est des cartes qui sont vraiment très fortes. On le sait, on l'a vu, revu, etc. Barrière Dimensionnelle. Je sais pas si on a besoin de la présenter, c'est vraiment une carte qui était très présente sur les différents précédents formats. Crackdown, qui vole un monstre en fait, tout simplement. Puis elle est en US, donc bah, je vous la montre parce que c'est plutôt cool. Crackdown, c'est pareil, je crois qu'on la trouve en commune, elle coûte pas grand chose. Le Tissibou, qui est une carte qui est nécessaire aujourd'hui dans beaucoup de decks. Il y a énormément de decks qui sont incapables de jouer autour de cette carte-là, puisque tu ne peux contrôler qu'un seul type de monstre de chaque type, ouais, c'est ça. Vent perdu qui était un peu joué dans SS à l'époque, combine de pièges qui est énormément joué dans tout ce qui va être piège parce que ça va chercher trop de cartes en fait tout simplement. La petite compétence, alors c'est marrant, compétence de percée, parce que je vais vous montrer pourquoi cette carte là est marrante. J'en ai 3 ultras, je sais pas pourquoi j'ai ces ultras là d'ailleurs. J'en ai une en anglais, j'en ai une en français et j'en ai une en italien. Allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée, vraiment. Ici, il y a les skill drain, les absorptions et les red reboot. Skill drain, je crois que j'en ai que 2. Ouais, c'est ça, j'en ai que 2. Dont une en DR1. Je dois en avoir une autre dans mes classeurs. Order Impérial, qui est une carte qui est juste trop fort. Macrocosmos et Metaverse. Alors, Metaverse, vous voyez, par exemple, moi, je trouve que c'est intéressant d'exploiter ces cartes-là. Parce qu'en vrai, Metaverse, bah, c'est une secrète uniquement en speed duel. Et en vrai, bah, la carte en secrète, elle est juste trop belle. Et bah, en vrai, on peut les jouer en, en TCG.
Donc bah, je vais pas m'en priver, clairement. Heavy Storm, qui est une bonne carte. Évacuation, c'est une bonne carte également. C'est peut-être moins fort maintenant, mais ça reste intéressant. Mind Crush, clairement, cette carte-là, elle faisait péter des plombs. Parce qu'en fait, tu dois donner exactement le nom de la carte. Et donc, si tu te trompes sur le nom de la carte, bah, l'adversaire il va te dire « Bah non, j'ai pas cette carte dans la main. » Parce que tu t'es trompé de toi. Assez problématique, il y a eu plein de problèmes. Avant, il fallait montrer la main. Après, il fallait plus montrer la main. C'était sur la confiance. Enfin, bref. Rivalité, bien évidemment. Moi, j'ai joué Winister, donc j'ai les rivalités, bien évidemment. Mouchard, pas forcément très fort, mais pourquoi pas. Trap, oui, évidemment. Typhon, oui, évidemment. C'est des cartes qui sont pas forcément forts, pas forcément jouées, mais qui ont un intérêt dans le jeu. Appointer, bah, c'est tellement fort que ça a été limité. Dernier tour, ça reviendra jamais de la banlist, clairement, parce que ça, c'est juste trop fort. Torrential Tribute, qui est une très bonne carte, et puis surtout qui est très très belle. En US comme ça, putain, mais vraiment, à la caméra là, pour une fois, les cartes rentrent très très bien. Regardez-moi cette beauté. Genre, je sais que j'ai tendance à beaucoup m'attacher à la beauté des cartes, mais sur les secrets comme ça, c'est juste incroyable. Heavenly, je sais pas si on a besoin d'en parler, cette carte-là, elle retourne des games toute seule, et en plus de ça, elle est bientôt reprint, ou peut-être même déjà reprint au moment où ça fait la vidéo, je ne sais pas. Masque de restriction, cette carte-là, elle est nulle, mais elle peut être cool. Aucun joueur ne peut sacrifier de cartes. Moi, je l'ai joué pendant un moment dans Innistor, de peur de prendre des kaijus, genre tu l'actives en stand-by, et l'adversaire, il peut juste plus de kaijus. C'est pas dégueu, en fait, tout simplement. Zone de dimension parallèle, éruption des monarques, zone non aéra fusion. J'avais essayé de la jouer pendant l'ère branded, cette carte-là. Personne ne peut invoquer de fusion, de monstre par fusion. Tu mets ça, bah, je continue, t'as gagné. Stratégie de confusion, c'est une carte que j'aime bien, je la joue de temps en temps, en vrai, c'est pas très fort, mais je la joue de temps en temps. Si votre adversaire ajoute toutes les cartes de sa main dans son deck, puis le mélange, votre adversaire pioche ensuite le même nombre de cartes qu'il a ajoutées dans son deck. Ça peut être intéressant avec par exemple Droll, genre si t'arrives à Droll avant et tu fais ça ensuite, bah, en fait il remet juste sa main dans le deck. Enfin bref, un peu comme rien qu'à Droll, tout simplement. Le Phoenix Wing Blast, ok. Providence Ultime, c'est une carte qui... C'est une counter trap, c'est vraiment très très fort. Et ensuite, c'est une carte qui est forte. Lorsqu'une carte magie piège ou un monstre est activée, déposez le même type de carte, monstre, magie ou piège, annule l'activation et si vous le faites, détruisez-la. C'est une counter trap, c'est vraiment pas dégueu. Trappe du Fossoyeur, disparition en chaîne, chaîne démoniaque, tout ça, c'est que des cartes qui ont un intérêt dans le jeu un jour ou l'autre. Peine de démon, par exemple, c'est une carte qui est juste super forte. Typiquement, on va lire la carte ensemble, cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-le dans le deck, puis vous pouvez envoyer un monstre de type démon depuis votre deck au cimetière. Cette carte-là, elle out. Oui, elle out les fusions. Tir, donc c'est pas dégueu. Ça peut être intéressant dans certains decks, bien évidemment. Mais en vrai, pourquoi pas. Artefact, j'en ai que deux. Faudrait que j'en récupère un troisième. Absorption de l'esprit, c'est une carte qui est intéressante. Dynamite DD, c'est une carte d'enculé. Parce que soit pour faire des FTK, soit je l'ai trop croisé dans Master Duel pour en parler. Ici, on a beaucoup de cartes qui sont un peu nulles. Par exemple, l'hôtel sacrificiel, c'est pas très fort. Ça dit, sélectionnez un monstre sur votre terrain et envoyez-le au cimetière, augmentez vos life points d'un montant égal à l'attaque du monstre d'origine. Donc en fait, le truc cool, c'est que c'est pas détruisez, c'est pas ciblé. Là, c'est juste sélectionner. Alors si, c'est ciblé, pardon. C'est sélectionner un monstre qui, donc du coup, est traduit par ciblé. Et en gros, tu l'envoies. Et ça, c'est intéressant parce que bah, peut-être qu'au time, ça peut faire gagner, etc. Et ça peut éventuellement proc des effets. La barrière d'im. D'ailleurs, j'ai deux barrières d'im. J'avais pas une barrière d'im au début. Ah si, j'avais deux barrières d'im. Bon, moi, j'ai un autre playset de barrière d'im juste ici. Time Seal qui a été déban. Ces cartes-là, elles sont intéressantes. Je me dis qu'un jour, je pourrais peut-être les utiliser. Votre adversaire augmente ses points de vie de 3000. Ok, pourquoi pas. Et, alors, je ne l'ai pas en français, celle-là. Si. Parce que là, l'effet, il me paraissait un peu bizarre. Tac. Juste ici. Votre adversaire défausse toute sa main, puis pioche 5 cartes. Vous pouvez activer qu'un seul cadeau. C'est un peu dans la même idée de s'il ne peut pas piocher, il défausse, etc. Après, je ne sais jamais est-ce qu'il peut activer l'effet s'il ne peut pas résoudre. Enfin bref, peu importe. C'est des cartes que en tout cas je mets de côté parce qu'un jour peut-être qu'elles seront utiles. La barrière spirituelle, tant que vous contrôlez au moins un monstre, vous ne subiez aucun dommage de combat. Ça c'est plutôt cool, ça peut être joué dans des vieux decks un peu chiants, etc. Bon là on a toutes les charmes spirituelles, elles ont toutes un effet assez cool. Je prends le feu par exemple. Sacrifier un monstre feu sur votre terrain, infliger au dommage à votre adversaire égal à l'attaque du origine du monstre sacrifié. Pourquoi pas, en vrai de vrai pourquoi pas. Ordre royal, c'est pareil, c'est une carte qui est assez cool. Les effets des monstres flip ne peuvent pas être activés et aussi leurs effets sont annulés. Voilà, c'est plutôt sympa. Waking the Dragon, pas besoin de la présenter, c'est juste trop fort. Carte au trésor.
Je les récupère déjà parce que c'est des vieilles cartes qui sont assez jolies. Vous avez tous connu cette carte-là, c'est quasiment sûr. Et en plus, son effet, il est plutôt cool. Vous ne pouvez activer cet effet qu'en réponse à l'activation d'un effet qui devrait renvoyer cette carte depuis le terrain à la main. Piocher deux cartes, puis défausser une carte, c'est pas un cost. Donc le truc qui est assez sympa, c'est que je me dis peut-être qu'un jour, tu pourras la set, puis activer un des effets qui doit remonter une de tes cartes, puis du coup pouvoir le même tour, j'en sais rien, et donc du coup piocher deux cartes. Je me dis ça peut être sympa, et il n'y a pas de restriction de tu peux pas le faire, donc si ça se trouve tu pourras la set, la remonter, piocher des cartes, la set, la remonter, piocher des cartes. Ça peut avoir comment ça se passe, mais en vrai pourquoi pas. Cette carte là elle est vraiment nulle, mais je me suis dit qu'un jour ça pourrait être cool. The Gift of the Greed, votre adversaire pioche deux cartes. C'est pourquoi pas. Genre, est-ce que tu veux faire gagner ton adversaire? Je sais pas. Ici j'ai mes virus, j'ai mes punishments en US qui sont assez beaux. Hop, le macro s'il te plaît, c'est plutôt cool. Et puis j'ai chirurgie ADN, il y a les gosses de match aussi, juste ici. Tac. Qui sont en US, en commune, mais je crois qu'ils sont repris en ultra très bientôt. Donc voilà, et derrière j'ai rien. Si on devait choisir une des plus belles pages de ce classement, ouais, je pense que c'est celle-là. Hein. Il y a les Imperms, il y a les Solemn. C'est vrai que les Solemn, je vous les ai pas montrés. Mais les Solemn, ils sont en secret, hein. Ils sont très très beaux, secret US comme ça. Il y a les Ice Prison, les barrières. Les barrières sont en secret aussi, je les avais achetées juste avant le CDF, et je les ai jamais activées. Je crois que j'ai jamais activé cette carte-là. Elles sont très très belles. Et bien voilà, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être assez clair. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pièges qui changent. C'est-à-dire que les cartes pièges, on les voit quand même assez souvent. C'est vrai qu'on a eu une dominance de Eldritch pendant pas mal de temps. Et puis Traptrix juste avant. Donc on a eu pas mal de cartes pièges qui ont été utilisées, vues, revues, etc. Mais bon, l'idée c'était de vous présenter un maximum de choses. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce l'abonnement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez découvert des cartes ou pas. J'espère que quelqu'un parmi vous a pu activer le code et à gagner et bien simplement les 10€ sur Card Market. Et moi, sans plus attendre, je vous embête pas plus. Prenez soin de vous, prenez vos duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!